Dmitry Dudek has kept in there. Valeri Burry, little defensive work in front of his own net. No more shots in this game, except this final shot from long distance. The buzzer goes and the game ends with Russia winning the bronze medal. You can't say they're celebrating, but they come back and congratulate their goalie for a fine Olympics, Nikolai Habibulin. Vyacheslav Fetisov on the bench. And they're greeting each other warmly. They tried. But the competition here in Salt Lake, Utah, has been tremendous. Larionov earns his 13th international medal. 9 gold, 2 silver, 2 bronze. Of course, that includes the World Championship as well as the Olympics. This game is history now as they shake hands and say goodbye. Russia wins the bronze medal with a 7-2 win over Belarus. Here's Ron. Bob, good work to you and Harry Neal. That's not a challenging game for you, I know, and yet nice to see Russia get that bronze medal at 19-11, the final goal if you're in a pool. 19-11 was a late goal that changed the outcome of many of the last gold pools. I know we likely won't have any graphics the rest of the afternoon. We'll be back with more of our coverage of the 19th Winter Games in a moment. Alors voilà, on se prépare donc, les dignitaires font leur entrée pour cette remise de médaille de bronze. Et moi, j'ai pour cette remise de médaille de bronze. Et moi, j'ai un petit reproche à faire, la conduite antisportive des dirigeants de l'équipe russe qui ont critiqué l'arbitrage de McCreary et compagnie. Alors, je pense que là, ils n'avaient absolument rien à dire et ils ont manqué une belle occasion de se taire. Oui, absolument. Hier, c'était tout à l'avantage des États-Unis. Dans les deux premières périodes, les États-Unis ont complètement dominé. Heureusement, les Russes sont revenus en force en troisième période. Ils ont marqué 2 buts très rapides. Et finalement, c'est un arrêt extraordinaire de Richter qui a gardé les Américains dans le match et leur procuré la victoire. Monsieur Gosper, du Comité international olympique, fera la remise des médailles avec un représentant de la Fédération internationale de hockey sur glace. Voilà le capitaine Igor Larionov qui, le premier, reçoit cette médaille. C'est probablement la dernière fois qu'on lui passe une médaille au cou, Igor Larionov, parce que après tant de Jeux olympiques, il a mérité tous les titres qu'il devait recevoir, les honneurs qu'il devait recevoir. Et là, c'est le temps de se retirer pour lui. Absolument. Il essaiera probablement de gagner une dernière Coupe Stanley aussi avec les Red Wings de Détroit. Malarov, qu'on a pu voir, a été probablement le meilleur défenseur avec Mironov. Ils ont formé le meilleur duo de défenseurs de cette équipe, médaillé de bronze. Les frères Bourré ne joueront peut-être plus jamais ensemble à des Jeux olympiques. C'est une possibilité, mais disons que leur trio a été aussi une déception. Et la grande déception, bien, c'est celui-ci, oui. Alexis Yashin, des Islanders de New York, qui connaît une bonne saison dans la Ligue nationale. Et le meilleur a été Fyodorov, que l'on aperçoit présentement à l'écran, qui reçoit à son tour sa médaille, avec celui qu'il a reçu deux rangs plus haut, là, à Finoganov. Je pense que ces deux-là n'ont absolument rien à se reprocher offensivement. Et là, celui qui vient de recevoir la médaille, c'est Habibulin. Exact. Lui aussi, sans reproche, Claude, peut-être un mauvais match contre le Bélarus, mais contre la République tchèque et les États-Unis, il a été le meilleur joueur de l'équipe de la Russie. Samsonov a bien fait aussi. Le joueur de petite taille a toujours été bien placé, a reçu beaucoup de coups. Tverdovski a été un bon gars pour les relances, les sorties de zone, mais dans l'ensemble, il s'est passé quelque chose qui fait que les Russes n'ont pu se tailler une place plus haut sur le podium. On les voyait beaucoup plus haut. On vient de voir Podomatsky, le gardien de but réserviste. L'autre était Brishkalov, qui était en civil, en survêtement du moins, lorsqu'il a reçu sa médaille. Voilà Datsuk, qui appartient aux Red Wings de Détroit. C'est un jeune qu'on va revoir dans la Ligue nationale. Il est excellent. Kovalchuk, qui a eu des difficultés en fin de tournoi, qui a connu un bon début de tournoi. C'est pas sa dernière médaille. Oh non, absolument pas. Kovalyov, qui a été le meilleur dans ce match. Markov, qui a été suspendu. Il n'avait pas le droit de participer au match d'aujourd'hui pour inconduite de partie lors du dernier match contre les États-Unis. Des gestes grossiers. Il s'est fait Mike Tyson de lui-même.
d'artifice pour célébrer la victoire en médaille de bronze de la Russie. Mais on sait, Claude, que les entraîneurs n'ont pas de médaille. Non. C'est le cas de la médaille d'or chez les dames. Madame Sauvageau, qui sera l'analyste de René Poitier pour la grande finale à la radio de Radio-Canada sur la première chaîne. Voilà la traditionnelle photo d'équipe maintenant. Et là-dessus, ben, sur ces belles images, se termine le reportage de ce match de médaille de bronze par la victoire de 7-2 des Russes sur le Bélarus. Tout de suite, on s'arrête pour une pause. Vous regardez Salt Lake City 2002 à l'antenne de Radio-Canada.